bien assis confortablement, le dos bien droit. On va se déposer, se sentir déposé à l'intérieur de soi. Prends une grande inspiration abdominale. Expire, on relâche. Là aussi, on va simplement faire des légers mouvements de tête. On ramène le menton, la poitrine, tout en gardant la colonne bien droite. J'inspire vers la gauche. À l'arrière. Expire droit et vers le bas. On va faire l'autre côté. Inspire gauche. Arrière. Expire droit et vers le bas. Maintenant, on va faire un autre fois vers la droite. Et une autre fois vers le bas. Super. Je vais juste prendre un temps ici pour ressentir chaque partie du corps qui est impliquée, même si c'est minime, même si c'est quelques minutes qu'on prend ici. Juste revenir pleinement dans la présence de son corps. Alors ici, on va faire le roulement d'épaule d'un côté et de l'autre. On inspire profondément et on expire complètement. Par l'autre côté. Et on revient. OK. Maintenant, la main gauche, la droite, on va l'amener le plus loin possible. Ici, je vais déposer toute la paume au sol. J'amène ma main gauche vers le plafond, je tire. Et vers mon visage, je la garde. Je garde ma hanche gauche au sol. Je vais prendre une grande respiration ici. On revient, vous pouvez le faire un peu plus longtemps à la maison. Dans la transition, on va venir faire des rotations au niveau des poignets. Toujours en respirant profondément par l'autre côté. Et je vais venir déposer ma main gauche au sol, mon bras droit vers le haut ici. Je ramène la main le plus loin possible, toujours en gardant la hanche droite au sol. Et mon bras droit vers le haut et vers le bas. Expire, on revient. Prends des grandes respirations. Ici, on va faire une dernière petite posture, une rotation de la colonne. Je mets ma main gauche sur le genou droit. J'avais oublié de vous dire que j'ai des oreillers, j'ai des coussins en arrière pour soulever mes hanches, pour que ce soit plus confortable. Je mets ma main gauche à l'arrière pour supporter la colonne. Je fais une rotation vers la droite. Expire la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Une rotation vers la gauche. Bien évidemment qu'on peut rester un peu plus longtemps si on fait notre pratique à la maison. C'était vraiment une mini capsule seulement pour garder la présence à son corps. D'avoir tous les outils en soi pour faire une pratique à la maison. Je vous souhaite de rester en santé. Je vous souhaite de continuer de bouger. Merci et à très bientôt.